Hey, salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 11 sur notre Let's Play de Far Cry. Et on se retrouve donc pour aller continuer l'émission. Et c'est parti, maintenant on a notre petite monture, on va rejoindre l'objectif directement en monture. Ouais. Écoutez, ça va être un peu plus pratique. Allez, ramène-toi Jean-Pierre. Très discret, comme bête. Allez, c'est parti ma petite bébête. On va faire un peu de monture. Franchement, autant en profiter. À dos de dents de sabre. Ouh, pauvre chèvre. Elle a dû prendre cher. Hop là. Mieux que dans GTA, tu sais. Là, t'écrases pas des passants, tu les bouffes, limite. Bon, franchement, c'est pratique. C'est pas pratique dans un sens, pour la limite je pourrais me téléporter et voilà. Mais franchement, voilà. C'est pas mal de se promener en dents de sable. Vous en pensez quoi les gars? Laissez-moi votre avis en commentaire. Écoutez, on a quand même battu un lion qui fait à peu près un mètre d'eau, pour enfin pouvoir monter dessus. Bon, bien sûr il a fallu aider Karoche pour pouvoir débloquer cette compétence, mais franchement, ça en vaut la peine, quoi. Des fois, si tu te retrouves à faire... imaginons, tu veux partir là, tu veux aller chasser l'ours. Ou même que tu veuilles faire ça à ça, tu dois marcher en monture. Voilà, tu le fais en 2 secondes, quoi. Ouais, excusez-moi, je sais pas ce qu'a mon nez, mais à chaque fois que je lance une vidéo... Ah, il veut toujours éternuer. Voilà, là, on peut lâcher notre petite monture. Bon, tu vas pas me manger, hein. Je me laisse sortir. Là normalement on va s'entraîner avec notre grappin, même si on s'est déjà bien entraîné tout au long de l'aventure. What? Ah, c'est ce que j'allais dire. Je me disais bien, il n'y a aucun aide qui nous a attaqué depuis le début du jeu. Il en faut bien, hein. Gravissez les ailes, trouvez les plumes rares d'aigle rare. Ok. On va prendre les... Comment ça s'appelle? Alors, les aigles rares. Okay. On va monter par où, nous? Voilà, je viens de monter là, tu vois. Et je me retrouve un peu dans la merde là, je sais pas où aller. Ah bah là. Ah putain, faut bien analyser avant de sauter quand même. Les enculés. Hop là. On se remet le petit doigt, tranquille. On va passer par la grotte. Ah non, quoique, c'était pas ici qu'on devait passer, mais c'est à peu près pareil. Alors. Voilà, oh là, je détestais cette bête. Voilà. Bien. Il y en a bien une deuxième. What the fuck? Il y avait un petit mur invisible. Non, il n'y en a plus d'autres. Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien ici. Silex. On récupère notre flèche. Hop. On récupère du boldon. Et franchement, on va faire un petit feu de camp ici. Hop. Ça va donner un peu plus un meilleur éclairage à la grotte. Un peu plus habitable. Alors, où est-ce qu'on peut aller après? Ah ouais.
Putain, les aigles là, faudrait que j'essaie d'en. J'ai réussi à tuer un aigle. Oh putain, j'ai jamais réussi à tuer un piaf depuis le début de l'aventure et là. Putain, là j'aurais ma Kalashnikov, tu vois. Saloperie. J'aurais ma Kalashnikov, ouais bah. Je l'ai plus ma Kalash. moi je voudrais bien monter. Salut! Ah, y'a bien un truc là. Faut vraiment. Putain, c'est. C'est vraiment pas du tout intuitif. Hein, si je puis dire. Ce grappin. Bon, dans tous les cas, on l'a déjà utilisé pas mal de fois. Et là, je remarque qu'en fait, on est peut-être des. Je suis peut-être une brêle. Hein. Un petit saut. Hop! On récupère un petit. Ah, vous m'attaquez plus, vous avez peur de moi? Olé, Tarzan est dans la place. Oula, j'ai cru que j'allais pas l'avoir. Bon, de toute façon, c'est codé, c'est fait ainsi. Normalement, je suis pas censé tomber. Je suis pas censé tomber. Hop, on va monter par là. Ils m'ont plus qu'une plume et je vous promets, on redescend. Pour ceux qui ont le vertige. Allez hop. Je crois que j'ai fait peur à l'autre. Là par contre je le sens pas. Je sais pas pourquoi. Mais je le sens pas. Ah non, même pas une petite... Un petit truc codé là qui nous fait tomber et tout ça. Un petit piaf qui nous attaque. Bon allez, par contre je sens qu'il faut faire le saut de l'ange. Et du coup je le fais. Ouh, bon plongeon quand même. Même si le piaf a essayé de nous buter. Là on a géré là. Donc le pic d'or c'est fait. Moi ce que je vous propose, on retourne à la base rapidement, on perd pas trop de temps. Oh, je sais que c'est bien de se promener en monture, mais le temps c'est de l'argent. Et on va aller voir la petite chasseresse. Voir ce qu'elle nous a de nous proposer. Pourquoi je voudrais bien avoir son arc là. Qu'elle propose. Salut à toi. Ouais, une chasse. Il y a une chasse à faire, pas de soucis. On va aller chercher, on va voir Karosh aussi, il doit avoir une quête à nous donner. Ouais, alors lui aussi il a une mission. Et lui il a... Est-ce qu'il l'aide dans son... Non, il est dehors donc normalement il n'y a pas de cinématique. Ok. Donc lui c'est bon, et le chaman aussi je pense, ouais. Le chaman a bien une quête à me refiler, donc on va y aller, hop. Donc déjà je commence à prendre vie quand même. Dites-vous qu'au début on était que 10 à 14 personnes, je disais bon rendez-vous à 40 membres, et là on se retrouve déjà quand même à 70, voire plus. Bon la quête ça va être une quête du chaman, ça va être assez chiant. Du coup on va déjà faire les quêtes des autres là. Lui inconnu, c'est pas celui qui est découvré. Le monde d'Oros. Ouais, mais je sais pas. Là, partir dans le nord, ça me. Faudrait vraiment que je confectionne son putain de vêtements d'hiver là. Du coup, il me faudra de la peau d'ours. De même que transporter les
Ouais, bah, saga, c'est important. Vous n'avez pas encore appris comment confectionner les pièges. Bon, ça, c'est sûr. Transport de pièges, une bande à piquant, ça me plaît pas trop. Là, ça me plaît. Ça, vous n'avez pas encore confectionné le gourdin demain. Bah, c'est sûr, je les ai pas encore appris à confectionner. Ah, voilà, couteau capella. Ok. Non, mais je sais pas où j'ai pas la fronde. Oh, j'ai pas de fronde, normalement. Contrôle, maintenez pour préparer la fronde et me relâcher pour tirer. Donc, ouais, bah, je fais ce qu'il me demande. Et non, je peux pas le faire. Je sais pas pourquoi. En tout cas. Course des cavernes, apprivoiser à des prédateurs autorisés, apprivoiser avec un appât. Je pouvais pas déjà les apprivoiser? Bon, ok. Quoi d'autre? Sprinter finalement sans ralentir, après avoir accéléré avec. D'accord. Ok. Appuyez pour commencer une exécution, appuyez pour lancer un couteau sur un autre ennemi, vous devez avoir des couteaux pour utiliser cette compétence. Ok. Possiblement avec cordée. Ouais, bah ça c'est sûr que. J'en aurai besoin. Changement d'arme avec une main plus rapide, même lorsque vous sprintez. Ouais, ça m'intéresse pas encore. Vous subissez moins de dégâts en cas de chute d'une nota importante. Non. Graisse animale, ça par contre, ça c'est intéressant. Et ça aussi. Je vais aller tuer des ours. Faut savoir que les ours c'est très important. Hein. On va repartir par là. C'était ici qu'on avait trouvé le plus d'ours. Dans toute l'aventure donc. On va chasser, on arrive encore de nuit, c'est super. C'est à chaque fois ce que je demande, et c'est parfait. Je vais essayer d'avoir un tapir. Ouais. Alors la nuit c'est bon, est tombée, on va pouvoir se faire des loups je pense. Tapir, c'est fait. Ah, je me disais bien, j'ai bien tué le tapir. Des petites flèches dans les fesses. Récupérer du bois. Là, ils sont là, ils sont où les loups là? Plus au nord. Vous les entendez, on entend les hurlements. Ici ancien délai pour déjà pour l'exemption dans l'île. Ouais, bah je vais peut-être aller la faire, mais pour l'instant je cherche le loup là. Les loups, ah ouais, d'accord. Oula, c'est pas le jeu, c'est pas ça que je cherchais moi. Putain, faut que je reconfectionne. Putain, j'ai quand même apprivoisé le loup blanc, j'en ai pas eu. Mais t'es con, putain, je voulais t'apprivoiser, je voulais pas te tuer. Voilà, j'ai eu tué, tu vois, c'est ta faute. Connerie, là. Ça c'est bon. Et toi aussi. Merci pour ta peau. Et là, j'ai mes vêtements de loup. Je vous en vivra en 10 minutes. Protection totale contre le froid, donc là, il me faut une peau de yak.
Mais qu'est-ce que le yak? Je crois que c'est un animal très rare. Les lances. Un yak? Je sais même pas ce que c'est, un yak. Un tapir, ouais, je sais. Tapir, transporte. Ouais, ça serait intéressant. Transporte de pièges, ouais, moi je m'en fous. Oui, alors. Je vais développer ça, hein, ça peut aider. Changement d'arme. Alors, vous venez de débloquer une nouvelle arme, vous pouvez en débloquer plusieurs en même temps. D'accord. Waouh. Donc j'ai l'arc. J'ai un arc long. D'accord, on pouvait le débloquer dès le début, je crois que ça allait être une arme. Ok, bah c'est cool ça, c'est cool. Donc il me faut un yak, mais je sais pas ce qu'est un yak, tu vois. Je sais pas du tout ce qu'est un yak. Excusez mon... Excusez mon manque... Mon manque intellectuel. Un yak, c'est ça. Oh, bah j'irai chasser ça rapidement. Enfin rapidement, c'est un grand mot. Donc moi je dis on part sur celle-là là. On va tester notre nouveau arc. Oh, toujours. C'est pas mes plantes, tu vois. Qu'est-ce que tu veux là? Qu'est-ce que tu me veux? Putain, t'es. Les sangliers, c'est un peu contre cette attaque et ça se fait bouffer. Voilà. Hop, oh, putain, j'ai peut-être fait le con là. Ouais. J'ai peut-être fait le con, mais. Je suis pas mort. Hop. Là, il y a une petite mission. On va se faire quelques points. Bah, je vais les arrêter, je vais aller t'aider. Je suis gentil et que j'ai envie que tu viennes dans mon village. C'est là, le moyen. Comment recruter des gens pour ton village? Alors, ouais, bon, bah on suit le sang, hein, tout simplement. Normalement, c'est des quêtes assez simples, on va faire ça rapidement. Et on va partir faire la quête de la chasse. J'ai envie de dire sacheresse, mais ça se dit chasseresse. On récupère un peu d'ardoise. Alors, vraiment, dans ce jeu, je crois qu'on a fait beaucoup de craft quand même. On a tué beaucoup de personnes, mais on fait beaucoup aussi pas mal de craft. Mais ça, franchement, c'est un jeu que je pensais pas avoir autant de craft. Moi qui déteste le craft, et au final, bah j'adorais. J'adore, et j'adorerai encore. Salut les amis! Je sais pas par contre eux si c'est vraiment des Udam. Ok. Ah, tu connais mon pseudo, c'est bien. On va y aller au gourdin. Pas mal. On va aller tout brûler au gourdin là. Voilà, même toi tu vas faire un barbecue. Ouf. Non! Pourquoi? On touche pas à mon tigre.
crève. Voilà, fuis la zone. Allez, on se casse. On se casse, on se casse. On a fait la mission, mon Jean-Pierre. Viens, Jean-Pierre. Allez, Jean-Pierre. Fuis la zone. On la fuit. Et c'est parti. On a réussi à faire notre mission. Mais où est-ce que je vais donc pouvoir passer? Ouais, je crois que je vais passer par là. Je vais directement passer par ce camp là. On va monter direct sur Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, viens là, je te soigne aussi. Et après on va partir rejoindre notre... Non, je voulais pas te soigner, putain. C'est pas ça que je voulais faire. Monter, ouais. On va te monter mon beau Jean-Pierre. Allez, vous aimez ça. On remonte à dos de dans le sabre. Enfin, je voudrais bien aussi monter à dos de mammouth, ce serait sympa. Voilà, par contre. Je sais pas comment j'avais fait déjà. Oh, bah, il y a une plaine, non? Ouais, bah, il avait. On va éviter de tuer Jean-Pierre, hein, à la nage. Il est pas très bon, Jean-Pierre. On va faire comme au début. Voilà, on va sauter de pierre en pierre. Ah non, c'est bon, on a pied ici. Allez, on va le bouffer lui. Miam miam miam. C'était très bon. Comment on l'a dévoré d'un coup là, d'un coup dedans, boum. Tiens, récupère un peu. T'as récupéré, c'est bon. Viande. T'as récupéré de la populace là. T'as tué Jean-Pierre. Je te bats dans la... Non. Putain, le truc il était violent lui. Du coup Jean-Pierre il est mort. Donc Jean-Pierre on réanime. Mais le souci c'est que on va devoir avec Jean-Pierre se rattraper le chemin, hein. Merci merci Jean-Luc. Allez Jean-Pierre, on va retourner voir Jean-Luc et cette fois on gagne, hein. Cette fois tu te laisses pas faire. Jean-Luc, on lui défonce la gueule. Non. Par contre on saute pas, hein. On descend la montagne à cheval. On descend la montagne à dos de dans le sabre. Allez c'est parti Jean-Pierre, on va défoncer Jean-Luc. Ouais, quoique... Il y a Jean-Pascal juste devant nous qui fuit. Quoique, on a besoin de Jean-Pascal. Il est où Jean-Pascal? Ah, il est là Jean-Pascal. Jean-Pascal, viens ici Jean-Pascal. Alors, excuse-moi Jean-Pascal de devoir te faire ça aujourd'hui. Mais nous sommes obligés de te faire. Voilà. Même si c'est pas toi que je voulais, en fait. Je crois que t'étais noir, désolé. Ceci n'est pas raciste, les gens. Hein. Je cherche à tuer. Un puma ou je sais plus, un lion rare noir, et du coup c'est assez difficile d'en trouver. Alors normalement on doit aller ici, on va la rejoindre direct, on va éviter Jean-Luc. Ouais, j'ai pas trop de temps de perdre avec un dent de sabre là, c'est franchement c'est loin de tuer. Et dire que quand même que ce dent de sable qui est bien plus rare et bien plus meurtrier, il a été moins difficile à buter quand même. Par contre il se prend
Voilà les... Putain, l'autre, celui-là, il a couru vite. Alors. Oh, je crois que j'ai tué un piaf en plein vol. Ah, il se téléporte, ça c'est sympa. Alors. Bon, on récupère. Allez, c'est parti. Jean-Pierre, on va remonter là. Hop, comme ça on perd pas trop de temps. On rejoint vite fait les chasseurs. C'est pratique aussi pour aller chercher du bois. C'est rapide, t'as pas la manip quand il prend le bois et tout ça. Tu gagnes quelques secondes. Ça fait toujours plaisir. Arrête de te prendre les arbres. C'est bon, on a rejoint les chasseurs. Ok. Mammouth proche, c'est ça. Atteignez le mammouth. Oh, le mammouth il est plus très loin. J'ai pas... Je vais plus faire appel à un ours, tu vois. Ouais, alors on va plus un truc tout pourri, tu sais. Bon, quoi, il va pas se faire buter. Il s'est buté. On dirait chercher des plantes rouges ensemble. Là, 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 je te nourris. Putain, il est chaud le mammouth. Putain, mais c'est pas possible. Je peux rien faire, il fait trop mal. Il fait trop mal. Oh là là. Tire à la tête. Quoi? C'est sérieux ça? Et boum! Comment je l'ai tué? Ouh. Allez, prends de la viande. On a réussi quand même à tuer un mammouth. Pas le dépecer. Je vais avoir un peu le seum. Ah.
vois. J'arrive pas du tout. Déjà, j'arrive pas du tout à monter sur cette pierre là. Et à dépecer ce putain de mammouth. Ça va m'énerver ça. Bon. Il y a un gros problème ici. Ah putain, et ça m'énerve là. Pourquoi t'es tombé là, putain de merde. Ah bah voilà, j'y ai presque. Ok, alors je peux monter ici. Ok. Bon, je sais pas pourquoi on peut pas rien faire sur son mammouth. C'est dommage, putain, c'est quand même un mammouth quoi, c'est. Pas mal de. C'est pas mal de trucs quand même. On va essayer de faire un gros saut et de sauter dessus. Ah bah voilà. Technique de gros bourgeois mais. Enfin de gros bourgeois. De gros malades, mais j'ai quand même réussi. Et tiens, l'avant-poste ici, on va essayer de se le faire. Mais moi ce que je vous propose c'est qu'on le fasse. Très difficile. On va peut-être pas le faire en fait. On va peut-être pas le faire maintenant. On va partir faire sa mission à lui. Et moi je vous dis rendez-vous à l'épisode 12.